بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et bienvenue à votre émission Les Secrets du Sama. Le grand cheikh Maulana Ruzbihan al-Bakhli al-Shirazi dit: depuis les premiers degrés des dévoilements dans le Sama', le gnostique, Al-Arif sera délivré de la servitude et ressuscité en Dieu. Sa substance lui sera enlevée et il lui donnera sa substance en se faisant connaître de lui. Il le fera étranger à lui-même et le fera connaissant de lui-même. Il le rendra intrépide vis-à-vis de lui, il lui fera craindre Dieu. Dans l'assemblée, il lui enlèvera sa propre couleur et lui parlera en secret, en écoutant les paroles d'amour de la langue meurtrie. Chez les grands maîtres soufis, As-Sama' ne peut être pratiqué que par les maîtres de la gnose. Seuls, ils ont la possibilité de connaître ces secrets. Ces tendances charnelles de l'être humain l'attirent vers le sens terrestre, le sens vulgaire de l'audition. Toutes les créatures sont désireuses de l'audition, car au fond de chacune des créatures se trouve une âme vivante par le sama', par l'audition. C'est le kun, le fiat, soi éternel, qui se trouve dans chaque âme. C'est l'écoute, l'audition de ce kun, ce soi, qui rappelle par le sama' l'âme de chaque créature. Comme l'a bien écrit l'imam Maulana Abdul Karim ibn Hawazin al-Qushayri dans Al-Risala al-Qushayriya. Al-Arif Maulana Abu al-Qasim al-Junayd, Cheikh al-Ta'ifa, dit: les jours où j'étais chez Maulana Sali al-Sakhati, je vis une fois un homme qui était tombé sans connaissance. Je demandais ce qu'il en était. Il me dit qu'on lui avait chanté un verset du Coran et qu'il s'était évanoui. Je lui dis: fais chanter un autre verset. Ainsi fut-il fait et l'homme retrouva ses esprits. On me demanda alors comment je savais cela et je répondis: c'est à cause de la voix de Joseph que Jacob, Youssouf et Yaqub perdit la vue et c'est par cette robe qu'il la recouvra et qu'il retrouvera. Tous les cœurs aiment les belles mélodies, dit Maulana al-Qushayri, et toutes les belles mélodies procurent la guérison. Tout comme elles calment et endorment les enfants. As-Sama' doit être considéré non seulement comme un cancer, mais comme une action de grâce qui équivaut à une prière de guérison de l'âme. Quand le sama' vient d'en bas, d'un rang inférieur, le malade est guéri. Et quand il vient d'un rang élevé, a'la, il rend malade le corps sain. Maulana Ruzbihan al-Bakhli al-Shirazi. Dans l'autre émission, celle qui précède la dernière, on avait parlé d'un très beau CD dirigé par Dr. Omar Mtiwi, enregistré en Espagne en 1996, là où il y avait des grands maîtres chanteurs soufis du nord du Maroc surtout, parmi eux Mohamed El Mahdi Temsamani. Aujourd'hui, on va vous présenter un autre CD, celui-là enregistré en l'an 2000 ou 1999. Dirigé aussi par Omar Mtiwi, Dr. Omar Mtiwi, et avec la présence de certains grands du,
du chant soufi marocain, il y avait surtout Sidi Boukhoubza, Sidi Abslam Boukhoubza Al-Imrani, Feu Sidi Abslam Boukhoubza Al-Imrani et Feu Sidi Mohamed Al-Barraq et bien d'autres. Cet album s'intitule Zikr et Sama'. Il chante toujours les chants d'ivresse de Abou Hassan Ali Al-Shushtari. Si le premier chantait des chants d'amour, le rituel soufi andalousi ou le rituel soufi andalou, ce Zikr et Sama' chante les chants d'ivresse ou les poèmes d'ivresse de Maulana Abou Hassan Ali Al-Shushtari. On va vous les faire écouter. Donc, vous allez écouter une partie de cet album qui est sorti en 99 ou l'an 2000, dirigé par Dr Omar Mtiwi, un très beau album qui nous fait écouter ce qui se chantait et qui se chante toujours dans les fins fonds des Zawiya Chadiliya Darqawiya du Maroc. Merci de rester avec nous. Rendez-vous, Inch'Allah, dans une autre édition de votre émission Les Secrets du Sama. Yeah.